Bonjour, aujourd'hui on va voir une autre vidéo sur Excel, c'est la fonction décalé. Donc pour la fonction décalé, on va voir un exemple, on va faire donc égal décalé. On va partir donc à partir d'une référence, par exemple ici début. Ensuite on va se déplacer verticalement vers le bas, c'est positif, et en haut c'est négatif. Ensuite on va se déplacer horizontalement. Vers la droite, positif. Vers la gauche, c'est négatif. Dans notre cas, on va se déplacer pour arriver ici à cette cellule fin. Donc, on va compter le nombre des lignes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, c'est 7. Pour arriver ici, donc, le nombre de colonnes. Donc, c'est 1. On ne va pas compter la colonne où on se pose. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 7 et 7. Voilà, donc, ici, c'est fin. Si je mets par exemple ici oui, il me donne ici oui. Donc c'est la fonction décalée. Je vais donc recopier ceci pour bien visualiser ici. Je vais créer ici un nom. Par exemple ici, oui, je vais l'appeler ce nom oui. Et je vais copier donc ici. Je vais mettre ceci. Voilà donc, je me pose ici. OK. Donc, ensuite, si je veux, par exemple, avoir ces dimensions-là, donc, qu'est-ce que je fais? Je veux égal décaler cette cellule. Ensuite, je veux me déplacer ici, 6, 7. Ensuite, vers toujours ici, 6, 7. Mais pour les dimensions, j'ai ici trois lignes. Donc, je mets 3. Et pour les colonnes, c'est 3. Je mets donc aussi 3. Et je ferme. Elle me donne ceci parce que c'est un champ, donc je vais, pour bien visualiser, je vais recopier ce nom et je vais donc modifier ici pour bien visualiser. Et je recopie ici, donc je mets OK, voilà. Donc c'est ce champ-là, OK. Si je veux ici visualiser, je peux mettre ici par exemple 1 et ici je vais mettre la somme de ce champ. Voilà, donc il me donne ici 9. OK. Si je veux par exemple arriver donc ici, pour arriver par exemple à ce champ, toujours en se déplaçant ici, qu'est-ce que je dois faire? Égal décalé, toujours ici. On va se décaler donc de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 5. Pour arriver ici donc, mais cette fois-ci c'est vers la droite, vers la gauche, donc c'est négatif. Mais combien? Donc c'est 1, 2, moins 2. Donc je suis ici. Pour avoir les dimensions, donc c'est deux lignes, 2, toujours positif les dimensions, et deux colonnes, je mets 2. Voilà, je vais donc pour visualiser ceci, je vais choisir ici, on peut toujours figer cette cellule de départ. Je vais recopier ceci. OK, donc je vais... Oh non, donc je vais la changer ici. Le changer, voilà. Donc on se situe ici. Si on veut se situer ici, par exemple, bien ceci, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? Égal, décalé, ici. Donc, vers en haut, c'est 1, 2, 3, donc c'est moins 3. Et à gauche, donc c'est la première cellule, à la première cellule, donc c'est 1, 2, donc c'est moins 2, pour avoir les dimensions, donc c'est 1, et pour les colonnes, c'est 2, OK, donc je vais voir ce, recopier ceci, dans le nom, coller, voilà donc, mais à quoi sert cette fonction décalée, pourquoi tout ceci, on va voir donc ici un exemple, donc ici, on va créer un nom. Attendez, je vais le créer ici d'abord. Égal décalé. On veut se décaler à partir de cette cellule, donc je vais l'afficher. Et on veut descendre donc ici. On veut mettre donc point 0 parce que je veux toujours rester ici. Et vers la droite ou bien la gauche, toujours 0. Ensuite, je vais mettre, par exemple, on veut se déplacer avec 6. Dans les dimensions, donc 6. Ici 6. Et pour la largeur, bien c'est 1. OK, donc je veux recopier ceci dans un champ.
tu veux appeler par exemple moi, le les moi, et je vais donc le coller ici. Voilà donc le moi. Mais je peux faire une chose ici. Bon, au lieu de faire toujours 6, je veux choisir cette cellule ici et je vais la figer. C'est L6, on va se déplacer avec 6, mais cette fois-ci, ici. Je choisis donc ce nom. Je vais donc le changer ici, moi. Je vais mettre ceci. Voilà. Et je vais faire ça. OK. Si je mets par exemple ici 8, il change. Donc je vais voir ici 8. Si je mets par exemple ici 12, 12 mois par exemple, c'est combien? C'est 12 mois. Ensuite, donc on va voir. On va faire un graphique. Sélection, ajouter, et je vais mettre jusqu'à point d'exclamation F3, et je vais mettre le mois ici. Voilà, et le mettre ici. Si je fais par exemple 5, c'est 5 mois, 7 mois, toujours comme ça. Ok, si je veux par exemple avoir ici les étiquettes, donc les étiquettes de ce nom. Donc je peux me décaler vers la droite. Si je veux par exemple ceci, je vais décaler. Donc je vais créer donc un nom égal décaler. Décaler quoi? Le nom, je vais faire F3 pour avoir le mois. Et je vais me décaler vers la gauche. Donc moins 1. Et je vais mettre ensuite 0. Et je ferme. Je veux avoir ce nom donc. Je vais le recopier. Et je vais le créer donc ici. Je veux l'appeler ce étiquette, étiquette. Et je vais le coller ici. Voilà. Donc, attendez ici. Pardon, c'est 0. C'est moins 1. Moins 1. Parce que c'est... Pardon. Voilà. Donc ça, c'est étiquette. Ici, c'est égal décalé. Pardon. C'est F3. Donc le mois. Et je vais me décaler donc 0 et 6 moins 1. Ok, c'est comme ça. Donc, étiquette, je vais prendre cette cellule, ce graphique. Et ici, pour les étiquettes, je passe jusqu'à point d'exclamation. Et je fais F3, F3, étiquette. Voilà donc, il me donne ceci. Et je fais donc ajouter étiquette. Si je mets par exemple 4, il me donne 4, donc avec les étiquettes. Ok. Je mets par exemple ici 10, elle me donne 10. Donc voilà donc la fonction décalée. Au quoi bon. Et je peux sommer donc égale 100 ici de quoi? De moi. J'ai fait moi. Moi ceci. Donc voilà. Donc le nombre, et c'est un mois par exemple, c'est 12. Si je fais par exemple 2 mois, c'est 12 et 25. Si je mets 3, donc c'est toujours la somme. Ok? À la prochaine.